The Caesar Chapter New Challenger. Fight! 이미 내 영역이 아니라고! Alors. Comment je vais faire ce bousin, moi? Je l'ai fait dans l'ordre ou... Allez, nique sa mère. Un striker directement. Attends, comment je peux traduire ça? Un guerrier... wandering, c'est-à-dire vagabondé. Mais un guerrier vagabondant, ça fait pas très... Tu vois, c'est pas très sexy en français. Mais t'as compris l'idée. Voilà. Fais pas chier. Étonné que le jeu soit pas en français aussi. Alors. Ou au moins des sous-titres, tu vois. Le premier univers. Activez les sous-titres. Activez les sous-titres, j'ai mis des sous-titres. Ok, là ça explique les tours. Oh. La guerre aussi, j'imagine. Ah, par contre, si t'es isolé, t'es dans la merde. Ah, oui. Si tu bases toute ta technologie sur ça, t'es dans la merde. C'est pas des futurs personnages DLC, ça? Ah bah oui! Ça peut... ça me fait penser un peu à Guilty Gear, où genre là en 2000, t'as littéralement toutes les machines qui se basaient sur l'électricité. Ouais, donc Guilty Gear en 2000, l'électricité d'un coup, tu sais pas pourquoi toutes les machines électriques ont arrêté de fonctionner. Et c'est pour ça que c'est un monde basé sur la magie et tout ça. Mais c'est littéralement la même merde. Ouais, par contre, je vais pas traduire en sous-titres toute la vidéo. Là, vu que maintenant je peux passer moi-même, je vais traduire moi-même. Mais sinon, pour l'intro, mettez les sous-titres. Hein. Je vais me débrouiller, je vais faire quelque chose. C'est du travail en plus, mais je m'arrangerai avec une traduction vite fait. Alors, ils ont dit que c'était par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a par ici? Soupir. J'imagine que c'était une autre rumeur, blablabla. Mais tu cherches quoi? Une tulipe? Si, cherche des tulipes, a priori. Ah non, c'est pas des soldats, ça. Ah non, ça se remarque tout de suite, c'est des boulangers. Ah, s'il te plaît. Ça sent que c'est des boulangers, les gars. The fuck? Bonjour, madame. Cyrus. Pourquoi c'est pas un personnage, ça? Pourquoi? Attends. Par contre, attends, Striker est animé ou... Glossary? Ah non, mais il y a un vrai mode d'histoire en plus! On n'a pas trouvé, désolé. Attends. Ah, est-ce que vous l'avez trouvé, le mec? Un mec en particulier? Ah, parce que, attends, petite leçon d'anglais, vite. Parce qu'il faut savoir qu'en anglais, t'as he, she, it. Donc, he, c'est pour un individu mâle. She, c'est pour un individu femelle. Et it, c'est pour les objets et en incluant également les animaux. C'est-à-dire qu'il cherche une personne. Voilà. Si t'avais pas révisé en anglais à l'époque, voilà.
Ok, il a réussi à s'échapper cette fois-ci. Bonjour madame, mais je vous aime beaucoup, pourquoi vous êtes pas dans le jeu? Enfin, vous êtes dans le jeu. Mais pas ma façon en fait. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Fais pas attention, je pense que je me suis planté. Allez, on se dépêche, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais maman. Non, ouais madame. T'imagines le soldat qui respecte pas du tout son supérieur? Ouais, c'est bon, on y va, d'accord. Ils sont partis maintenant? Ok, j'ai failli me faire rattraper cette fois-ci. Toutes choses considérées... qu'est-ce qu'ils foutent là, les soldats impériaux, en fait? Pas possible. Est-ce qu'ils chercheraient... le texte sacré de Shannon? Ouh, the fuck? Oh! C'est un vrai mode histoire avec du lore. Oh, putain de merde. Moi, je suis un fan de jeux combat. Moi, le baston. Moi, taper sur les gens. Non, mais attends. Pourquoi je dois lire des textes en anglais, en plus? Shannon, c'est un fighter, une combattante prodige qui a fait qui s'est rendue célèbre en devenant une pionnière dans les arts martiaux de Striker, justement, des combattants. Et a perfectionné l'art du low kick. Les techniques de Shannon qui sont spécialisées dans le physique des femmes, c'est très largement répandu dans l'Empire, et les combattants mâles ont pris les arts martiaux traditionnels du long-standing Suju Region pour développer leur propre style de combat. Même si les whereabouts, c'est pas les tenues d'aboutissant, c'est la cachette. Même si sa cachette est inconnue depuis qu'elle est partie dans un voyage pour trouver des adversaires plus fortes que elle, ou des adversaires tout simplement plus forts, c'est un book contain. Il est dit qu'il y a un livre qui contient ses arts secrets martiaux quelque part en Arad. Je sais pas c'est quoi. Je sens que ça va être long ce playthrough, putain de merde. Ah, moi je me suis dit, allez, ça va être un truc de 20 minutes, tu sais, où tu fais 5 combats de suite et t'as un écran de fin. Mais non. Et non, il est aussi rempli que le décolleté de madame ici présent. Putain. Faut les laisser respirer, ma petite. Alors, je dois me dépêcher. Ah, it, tu vois, là, le son d'anglais, it, move it, c'est un objet. On doit éliminer toutes les traces et échappatoires. Ok. Il y a un autre territoire. Les soldats ici, est-ce qu'ils cherchent quelqu'un? Oui, on a compris. Je ne sais pas ce qui se passe, mais rien de bon peut venir de... rien de bon ne peut sortir de des affaires mixées avec ces connards là, tu sais, en armure. Fais pas chier. C'est quoi ce bruit? C'est... Oh! Est-ce que ça vient de là? Ouais, c'est quoi? Ok, elle savait pas que ça existait. Elle s'est fait absorber. Qui est là? Ah bah personne. Mais d'où tu sors toi, ma petite? Je suis sûr que quelqu'un vient juste de se faire aspirer comme un spaghetti. Comme la belle et le clochard. Eh, c'est... Eh, touche pas ça aussi imprudemment. Espèce de petit saut. C'est quoi le problème, capitaine? Ça va, tu vas pas me casser les couilles aussi. What is the wonder? Pourquoi il y a une merveille qui est ici? Oh non, par pitié. Des structures qui ressemblent à des portes qui ont soudainement commencé à apparaître à travers tout le monde. Elles sont souvent référées en tant que portes qui connectent à d'autres mondes. Mais ce détail, quand même, reste pas clair du tout. Ces structures ont existé depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Mais la plupart d'entre eux...
sur son tout éteint, une par une, et en gros, peu ont pu en avoir actif. Putain, je crois que j'ai passé déjà 5-10 minutes à faire de la traduque et pas à me battre. S'il te plaît, mais moi de la baston. C'est quoi cet endroit? C'est un endroit où il y a de la baston. Oh oui, 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 de la baston. Laisse-moi frapper des trucs. Oh, dis-moi que c'est Dieu. Oh, oh, ça fait longtemps que j'ai pas tapé Dieu dans la bouche. Oula. Mais il est en animé en plus. Bonjour madame, je peux te frapper dans la bouche? Attends, attends, je vais vraiment la frapper en plus. C'est elle mon challenge ultime. Oh par contre, bonjour madame. Qui es-tu et quel est cet endroit? Par quoi? Attends, mais... Mais vraiment, là, on part sur vraiment un mode histoire solide? Par personnage, comme ça? Sérieusement? Laisse-moi m'introduire moi-même. Je m'appelle Nemir. Non, tu t'appelles Waifu. Qu'on soit clair. Cet endroit est une merveille. Un chemin qui relie plusieurs mondes. Et où toutes les possibilités se rassemblent. Voilà. Je suis là pour le texte sacré de l'autre con qu'on a vu dans le glossaire. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de ces textes? Meuf, c'est pas la première question que tu poses à quelqu'un qui a des ailes et qui descend et qui est jaune. D'ailleurs, t'es sûr que t'aurais pas besoin d'une dialyse, ma petite? Non, parce que je pense que là... Faut aller voir un docteur. Hein. Ouais, ouais. Ça n'existe pas. Ok. Ouais, tu l'as dit. T'as vraiment besoin d'une dialyse, ma petite. On ne soit pas déçu, on va te trouver un autre bouquin. Je comprends ton... ta déception. Tiens, prends ça. C'est Candide de Voltaire. Tu pourrais apprendre quelques trucs par rapport à ça. Comment tu sais? Attends, je cherche ça depuis combien de temps exactement? Oh, c'est une stalker! Elle me mate! Elle me mate depuis le ciel! Et attends, et là, en parenthèse. Est-ce que t'as pas déjà pensé une seule fois dans ta vie? Tu vois, une seule fois, au moins une seule fois, que. Avec le paradis, tout ça, avec tes ancêtres, tout ça, qui sont capables de te regarder sur la planète, si tu penses une seconde fois à ce contexte, de se dire qu'ils te regardent. Même quand tu fais des choses pas très cool dans ta chambre tout seul, tu vois, sur ton lit, avec un mouchoir. Tu vois, t'es... Franchement, moi je me suis déjà dit. Hein. Comment ça, ouais, tu me connais depuis longtemps? La volonté du monde. Une volonté qui est dit uniquement possédée par les aventuriers choisis par le monde. La volonté se manifeste seulement elle se manifeste seulement à ceux qui ont des principes qui ne bougent pas en fait. C'est quoi qu'il arrive, ils resteront droits dans leurs bottes. C'est voilà, c'est qui ne fait pas de vagues en quelque sorte. Détails, ça fait. On connaît pas les détails des effets. Comment ça, il y a des effets sur ma santé? Sur les effets de la volonté sur moi. What the fuck? Tu m'as refilé le sida? Puis ta couleur de peau aussi. Il y a des doutes, hein. Ouais, il y en a dans ce monde qui possèdent des volontés très fortes. Ils ne le réalisent peut-être pas encore. Mais ils ont été choisis par le monde. Eh, c'est la même merde. Ok. Comme moi. Ah, il fallait prendre anglais en première langue étrangère, ma petite. Alors, ça va être difficile de comprendre même si je t'explique tout en détail. Moi, j'ai déjà tout compris. Hein, il m'a fallu 3 lignes. Commençons avec quelque chose de plus simple. Je n'ai peut-être pas ton bouquin là, ton Playboy, ton magazine Playboy, mais je peux t'aider à le dépasser.
Et le de passé, lui, c'est, encore une fois, him, c'est-à-dire un mec en particulier. Oh, ça, ça l'excite. What the fuck? Attends, c'est un méchant, le mec? Attends, c'est un méchant? Ah, j'ai toujours cru que c'était genre le Ryu du jeu, en fait. En fait, c'est un bâtard. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Si tu fais grandir la graine à l'intérieur de toi. En gros, si je fais ça, je serais capable de sortir la volonté du monde dans les autres personnes qui la possèdent aussi, comme moi. Parce qu'ils possèdent... Ah, mais meuf, tu radotes. Je sais pas quel âge t'as, mais en fait, je crois que ça se voit pas sur ton visage, mais à mon avis, tu dois être sacrément vieille, hein, parce que tu radotes. Si je bats avec ceux qui ont la volonté du monde, je deviendrai plus fort, même sans l'aide des tests sacrés qui en fait n'existent pas. Hein, le magazine Playboy dans ce monde, ça n'existe pas. Et ce qui fait que j'arrive à la conclusion que ce truc, c'est Highlander. Quand je bute les autres Highlanders, je deviens plus fort. Faut les décapiter, les gars. Donne-moi une épée. T'as une épée? S'il te plaît, je ferai n'importe quoi pour le battre, lui. Mais attends, il les a tués dans le dojo ou... Juste, il était trop fort. Pourquoi elle rigole? Bien, bon. On dirait qu'on n'a plus le temps. The fuck is that? De garder la volonté pour la vie, en gros, c'est pas de se battre, se barrer des champs de bataille et de garder la volonté de vivre, c'est tout ce que je souhaite pour toi et tout ce que je te demande. Tu oublieras petit à petit tout ce qui est non nécessaire à ton objectif pour l'atteindre. C'est dommage, puisque c'est ça qui fait les vrais plaisirs de la vie. Mais attends, elle est où ma télécommande là? Ah, elle est là. Attends. J'ai pas eu un seul combat, je suis déjà à combien de temps de vidéo? Oh sa mère! Je suis déjà à 20 minutes. Chapitre 2. J'ai eu, avec cette phrase, j'ai eu envie de crier ma bite, mais j'ai résisté à ça. Attends, chapitre 2. J'ai pas vu le titre. Bon, tant pis, on s'en fout. Je sens un pouvoir non familier. Faire rage à l'intérieur de moi. Confiance? Une envie de me battre? Quel est ce sentiment? Bon, quoi qu'il en soit, cet endroit c'est quoi? Ah! De la bagarre! Est-ce que je suis arrivé à la capitale de la principalité? Ah, j'ai senti sa volonté! Sa force de la volonté, j'ai oublié ce que c'est. La volonté du monde. Bien sûr, si je fais éclore, pousser ma graine. Allez. Ouais, je serais capable. Oui, je l'ai senti, le mec. Après, il faut pas être compliqué. Je crois que tous les autres ont l'air de banal civil et lui, non. J'ai pas senti quelque chose comme ça depuis longtemps. Comme cette femme l'a dit... Il semble que je peux pas résister mon envie de me battre. Attends, elle serait pas en train de nous faire un Mortal Kombat pour son propre plaisir, cette conne? Genre pendant qu'elle fait sa dialyse, tu sais. Elle nous mate. Non mais, laisse-moi me battre. Est-ce qu'il y a eu un clash Est-ce qu'il y a une rivalité, un truc, hein, genre un clash entre les volontés du monde? On dirait quelque chose d'intéressant et au point de se produire. Laisse-moi me battre! Au moins faire un combat dans la vidéo, par pitié.
Ah, je m'attendais tellement pas à un mode histoire comme ça. Je m'attendais vraiment à un truc fait à l'arrache. Mais en fait, ce jeu... Oui! Oui, il y a un combat! Oui! 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 Laisse-moi péter la gueule! Oh, c'est sa mère. Attends. Oh, t'as vu ça? Ce petit combo que j'ai travaillé vite fait en mode entraînement. Oui, que j'ai fait tout seul comme un égoïste dans mon coin, je sais. Mais ça paye. Par contre, je sais même pas comment on fait un gars comme ça. Vas-y, tape. Chiche, tape. Mais en fait, je suis en train de tabasser un débile depuis tout à l'heure. Tape. Oh non, c'est pas ce bouton-là. Tape-moi. Tape-moi. Mais je suis en train de masser... Depuis tout à l'heure, en fait, j'ai martyrisé un trisomique. Fuck. Bon. Ah! Vas-y, on finit comme ça. En fait, le gars, mais c'est quoi cette difficulté par contre? C'est presque insultant. Le mec, il était mentalement challengé, tu vois. Mentalement, il était un peu débile. Attends, vu comment le mec il se défendait pas, ça va passer pour une agression. Là je suis en tort. Sincèrement, je pense que je suis en tort, il faut que je me barre. Soldat impérial, hé, c'est quoi tout le boucan là-bas? Enfin, ici. Ouais, non, je suis d'accord, ça va être un problème si on se fait choper. Faut se barrer, j'ai tabassé un triso. C'est mal vu par la police hein, et par la société ça. Ah, je ne ressens plus l'envie de me battre que j'ai sorti tout à l'heure. Est-ce que la volonté a disparu? Allez, oup. Comme nous. Oup, 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 oup. T'as une cour à prendre, en plus. Hé, arrête-toi là! Qu'est-ce qu'ils sont persistants, ces fils de pute? Oui, c'est exactement ce qu'ils... Oh, c'est la dame dieu de la taverne! Le fait que j'ai toujours été poli avec elle. Tu vois, ça a payé dans la démo. Enfin, dans la bêta. Toujours être poli avec elle quand je jouais sur ce niveau.